Je n'ai que ma voix. Proclamer tes louanges et dire au monde entier que tu es mon roi. Voici un chant, un cantique. Yes. Matronaï, mia jinuere masse, les mots, les phrases, les accords, tout. Menesia kwene fioga. Que quelqu'un acclame le grand roi. Elle est blé de mena. Sotan collegia. Well, where's Ovan Lolo? Bienvenue dans l'assemblée de l'amour. Yeye Kanchimi Bakero le Yuebe Christo Fel Lolo. Et le nouveau que nous avons découvert est appelé l'amour de Christ. Marekukuno ma tron of you kalahada onchia. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux te tourner vers ton frère et sourire? Un sourire pas le véritable, rouge. Authentique. Peut-être que Naïda Khamenawa, elle traverse épreuve. Peut-être il traverse une épreuve actuellement. Avant de venir. Peut-être elle est zizi. Événement remé. Peut-être traverse-t-il une situation triste avant d'arriver. Et peut-être même que c'est toi qui lui cause la souffrance. Donc c'est le devoir, la mission de l'Église. Yes, mission, je le dis. Une mission ne hamea. C'est la mission de l'Église. Mais bah pratiquer Christ au volant. De pratiquer l'amour de Christ. Bah trop gentil le caca. Alors tourne-toi encore vers ton frère. Frère Wizoin. Frère sois. Alors sœur Wizoin. Ou sœur sois la bienvenue. Nene tabernacle la doula fonctionner. C'est comme ça que le tabernacle doit fonctionner. Et America que la femme sur nos vieux halengbe demain. Et la personne qui est à côté n'est pas suffisante. Attends, vivito to wanchi kaka la ingbe demain toi hard boy. Commence par leur démontrer. Y'a chité les nyama faudi. Ouais faut on a chité. C'est ça l'amour de Christ. Non la tiens embrasser America embrasser. Si tu peux embrasser quelqu'un, fais-le. Nathan au bisou néa à au bisou ané. Si tu peux lui faire un bisou, fais-le. Ouais ben gilet jamais, ben gilet jamais. Et son cœur s'apaise. Est-ce que tu le fais? Embrasser à bisou n'est pas de le faire. Embrasser à qui s'il n'est pas. On t'en frère, oui. On t'en soeur, oui. Embrasser, well. Ouais. On met à l'aide de l'eau, qu'un beau. Oui, à pot de voir, il va y aller loin. Yes, oui, toi, comme missionnaire. Yes, oui, toi. Yes, oui, toi. Yes, oui, toi.
jolemme. Anu jona lemme. Oui, correctement. Anu jona lemme. Anu jona lemme. Mille kakangliao. Mille bamohenwao. Le Saint-Esprit a commencé son œuvre. Quelqu'un est consolé. Quelqu'un entre dans la puissance. Fais-le, continue. L'église est un lieu de réjouissance. La réunion des enfants de Dieu est une réunion de louanges. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Ouais. Bien. Continue par le faire. Ouais, bien. Fais le bien. Ouais, bien. Fais le bien. Ouais, le hosseme. Fais-le dans la foi. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Mois de mai, mais dimanche ban toi. Voici le premier dimanche du mois de mai. Nous allons lui rendre grâce ce matin. Ape na mau. Mau ape na mau. Ape. Non vous voici né. Non célébrer Yeshua. Mau abenao, yeklo vale tie ye yama. Abenao, le lolome. Mau abenao, akena mauga. Abenao, le fame nu veve lata. Abenao, le felolon lata. Abenao, le bogo koko si wonami. Esprit Saint, de Christ au vol de Fiami, démontre-nous, manifeste-nous l'amour de Christ. Et du coup, il y en a joyeux les djidjomé. Et que ce peuple s'en aille dans la joie. Magasin du coup que tu as signé. Il n'apparaîtra plus jamais comme un peuple livré. Et la belle l'on du coup. Car c'est un peuple d'amour. L'on mauvio yonye. Ce sont des enfants de Dieu amour. Merci à toi à cause de la révélation. Que le nom de Christ soit glorifié ce matin. Qu'un enfant de Dieu qui le croit dise Amen. Acclame-le comme il en est digne.
Thank you, Lord. Le tabernacle. Tabernacle. Et tu n'es pas joué, même. Réjouis-toi de ton fort intérieur ce matin. Car il t'a conduit et tu as passé la frontière d'avril. Nous sommes dans le mois de mai. Et mai, le cinquième jour. Et le cinquième jour précisément. Inoubliable. C'est un jour inoubliable pour moi. Yeah. Le 5 mai fut un lundi. Voici 10 ans de cela. Le 5 mai était un lundi. Et mon meilleur ami, il m'a signé la Béaméa. Il est bêché. Et le meilleur ami que j'avais dans cette vie, c'était éteint. Je ne peux jamais l'oublier. Mais que toute gloire soit rendue à Dieu. Car en ces 10 années, il nous a protégés. Dans ce message important, Mivado Tabernacle Bentinu Tohea Nye Ekpeveao Boy. Nous sommes arrivés sur cet élément du tabernacle important qui sont les 2 tables de pierre. Nous l'avons vu, on les a appelées les tables de la loi. Et au travers de la grâce, cela est devenu clair pour nous. C'est pourquoi ils sont appelés tables de la loi. Ils ont aussi été appelés tables du témoignage. Et par grâce, cela aussi est clair aujourd'hui. On les a aussi nommés tables de l'alliance. Et aujourd'hui, c'est devenu clair également. Nous sommes dans l'étude de l'alliance. Et nous avons vu que s'il s'agit de l'alliance, Dieu a déjà fait sa part. Il reste à tout homme qui veut également que l'alliance opère pour lui d'accomplir sa responsabilité. De connaître l'alliance d'abord et de marcher sur ses voies. Ainsi, nous sommes en train d'étudier les voies. Je vais encore commencer. Si j'oublie quelque part, rappelle-le-moi. Première voie, la joie. Deuxième, l'action de grâce. Troisième, la crainte de Dieu. Quatrième, la piété. Très bien. Cinquième voie. L'amour de Dieu.
Christo, c'est ce que nous redécouvrons dans une étude maintenant et qui est nommée Amour de Christ. Ce pourquoi on l'a ainsi nommé, ça aussi sera clair. Sixième voie, Vosao, les sacrifices, Nunanao, les offrandes, Woliao, les dîmes, Nukufapao, les semences. André Guare. Septième. Tododo. L'obéissance. Oui. Elle veut vivre un temps. C'est très important. Et Ni Guare. Huitième. Hein? Doki Bobo. L'humilité. Miquelle moi me tourne. Nous avons vu en trois mots. Humility. Humilité. Meekness. Docilité. And. Et soumission. Submission. Achieke Guare. Neuvième. Oh, school vignon, Migababa. Neuvième arrêt. Prayer. La prière. Aflozo. Prier avec ferveur. Yeah, prayer. La prière. La prière. La prière. La prière. And again, prayer. Et encore la prière. Prayer. La prière. Mereyon ebe turbo. Quelqu'un l'appelle turbo. Dixième. Astro Bible. Étudier la Bible et la méditer. Pour la pratiquer. Et vivre dans la parole. Nous sommes sur la onzième voie. Et nous avons vu, c'est le Saint-Service à Dieu. Voilà. Le Saint-Service. Et dimanche dernier, nous étions sur le cas d'un frère. Le Luc 15. Dans Luc chapitre 15, ils étaient deux enfants pour leur père. Le cadet avait un problème. Il est sorti de la maison et est parti festoyer, détruisant ses biens. Mais il a fait une introspection. Ça, c'est la base de la restauration. Restauration, fondation. Dès que tu fais l'introspection, tu sauras quel pas poser. Et il est retourné à la maison. Et il y a un veau gras dans la maison que son grand frère nourrissait. Ce veau gras a été tué pour fêter le retour de. Et car. Sa sortie de la maison, suivez bien ce côté de la salle. Abandonner la maison où tu es né, pas qu'on t'a envoyé en mission, laisser la maison est la mort. C'est la mort. Et aussi, c'est la perdition. La personne est perdue. Donc, quand il est revenu, on dit qu'il a été retrouvé. Quand il est rentré, on dit qu'il l'a ravivé. Et on a changé sa robe. On lui a ôté la robe de perdition et lui a mis la tunique de salut. Ne sois pas à l'extérieur tout en proclamant que tu n'es pas parti. C'est se tromper soi-même. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les Écritures qui l'enseignent. Tu dois revenir. Tu n'es pas trop vieux pour rentrer. C'est un grand message. Et on lui a changé ses chaussures. On a demandé à ce qu'on apporte un anneau, une alliance. Qu'on lui a remis. Et le veau gras fut tué et la fête continuait. Son grand frère était rentré du champ. Venant de son service. Rentrant à la maison.
Mais son retour a été d'une certaine façon. On va nous le lire à nouveau. Et nous allons prendre à partir de là. Luc 15, sauf verset 25, hein, je crois. 25 à 32. Luc 15, à partir du verset 25. Ouais. Or, le fils aîné était dans les champs. Fofo ga, eno agbleme, eno dome, no dona papa. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et non, c'est musique. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. De novio que Joa est trop boy. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Hey, papa, ouais, on le sait si d'état. Ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère. Alors, Foga, Biji. Et ne voulut pas entrer. Est-ce que tu es là? Suis-moi bien. Service que mille globes miaou, nous bablaba, iramia. Le service que nous demandons de faire pour que l'alliance nous bénisse. Me demanda jikudodo. Ne permet pas la colère contre son prochain. C'est la colère qui vole cela. Donc, rappelle-toi, lorsque Moïse a reçu les pierres et était revenu, il y avait des choses qui avaient cours dans la vallée en ce moment qui l'ont fait quoi? Provoquer sa colère. Ainsi lui-même a brisé au sol les deux tables de pierre. Il s'était cassé. Ce que tu es parti souffrir pendant 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire pour recevoir. Le service qu'il est parti faire était multiplié par zéro. C'est pour les pierres qu'il a souffert, mais les pierres étaient complètement brisées. Et il lui a fallu retourner. Voici le sujet. Et cette colère est cachée dans le grand frère. Personne ne savait. Il se plaignait de leur père. Moi, je vais continuer cet esclavage tous les jours. Je vais encore aller revenir. Mais ce jour-là, quand il est encore parti, ce qu'il a pensé qu'on devrait lui faire, on le faisait à son cadet qui est parti gaspiller ses biens et est revenu. Donc, son premier problème, c'était la colère. Les plaintes. Pourquoi te plains-tu? Si tu le caches, cela apparaît sur le visage. Mais comme tu ne peux pas te revoir la face toi-même, ceux qui te voient sauront qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Et il a refusé d'entrer. Voilà la première chose qu'il a dit. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais, voilà, tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis.
Moi, je ne veux qu'un chevreau. Hein? Tu n'as jamais mis un chevreau au four pour moi. Et j'étais là en train de saliver. Hein? Et quand ton fils est arrivé, maintenant, il troisième dimension, mais que vieux y a, bavou y a. Ce bandit est arrivé. Bon voyage. Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Moi, je n'ai jamais rien détruit. Et il est parti les dissiper avec les prostituées. Non, le frère, c'est un vrai prédicateur. Hein? Il explique bien les correctement, choses. Correctement. Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Va le où? Me coclo chan, un yiblibo. Voici ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Et l'alliance est bloquée pour nous. N'essaie pas de trouver quelqu'un d'autre dans le message, mais trouve-toi toi-même. Ce que ce thème est en train de faire dans ma vie, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. C'est là où nous voyons le quatrième problème du frère. Il vivait l'ignorance. Et non, nous appelait Simajemajeme. Pas il vivait dedans même, c'était sa vie même. Et Simajemajeme, il ne toignait pas. En réalité, tout ce que son père possédait, c'était pour lui. Même le veau gras. S'il avait décidé de fêter avec, on allait lui donner. C'est un homme qui ne prie pas. Il ne demande pas. Donc il a souffert. Malgré que les biens étaient pour lui. Et puis il est bébé. Et il met Chihau. Parce que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Et il était en train de faire un service d'esclavage. Malgré que tout soit à lui. N'oublie jamais ce verset 32. Ce qui va se passer avec le verset 32. Si le Seigneur ne vient pas vite, les gens seront ébahis. Beaucoup de choses t'appartiennent et à présent, tu vas entrer dedans. Les choses sont à toi. Quelqu'un, est-ce que tu le considères comme ça? Papa, les biens de papa sont pour nous. Mais quand son père allait le dire, il a dit, sont à toi. Est-ce qu'on doit, il doit encore s'énerver? Il ne devrait pas s'énerver. Il a manqué la première voie qui est la joie. L'alliance a arrêté de le servir. N'irait-il pas manger le reste de la viande qu'on est en train de consommer? Il a refusé aussi. Et quand le frère va aller manger, je suis sûr qu'on lui avait fait une réserve, mais il a refusé d'aller. Dis à quelqu'un, même s'il mange, j'aurai ma part. Un seul homme va manger tout un veau. Un seul homme. Le bœuf, ce n'est pas une poule. Il mange et mange encore, j'aurai ma part. Alléluia. Amen.
Quand nous disons qu'il y a des profits dans le culte d'adoration de Dieu, ce n'est pas des choses de 1500. Si c'est Dieu notre Père et que les choses qu'il a sont à nous, moi je prends juste ceux qui sont spirituels. Comme le don de prophétie, par exemple. Il y aura des invités sous ta porte chaque jour. Il y a des dons spirituels, quand tu les possèdes, tu ne seras jamais seul. Jamais. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est chose divine, don divin qu'on t'a donné, qu'il soit déversé sur ta vie. Moi, je suis arrivé à destination. C'est pourquoi je veille maintenant. Qu'est-ce qui me volait? Et Dieu m'a amené dans le secret des problèmes du frère, du grand frère. Que devons-nous faire pour ne pas être piégés comme lui? Et Dieu a dévoilé la chose. Vous devez connaître et comprendre ce qu'on appelle l'amour de Christ. Trois jours. Mercredi, jeudi, vendredi, et vendredi passé. Non. C'était versé. C'était choco. On dit, au moment où nous désirons savoir ce qu'est l'amour de Christ, Dieu vient nous remplir à débordement. Normalement, ce grand frère doit courir où il est rentré. Et rentrer à la maison. Et aller embrasser son frère. Le ouvrier au banc. Devant les ouvriers. Tu es bien portant. Tu n'es blessé nulle part. Et il va dire, viens voir. Il y a un veau gras quelque part ici, on va le tuer. Il va dire, papa l'a déjà tué pour moi. Dresser la table pour qu'on mange. Et là où on vient comme si l'on les amène. Et cela va être clair pour son frère que dans le grand frère également, il y a de l'amour envers lui. S'il pratiquait l'amour, et toi là-bas, tout n'est finalement. Son père lui aurait dit depuis longtemps que les choses t'appartiennent. Loloto, bien-aimé, m'a t'a présenté tableau me venant matin. Ce matin, je vais encore te présenter deux tableaux. Pour le service. Concernant le service. Me quoi me coura. Et cela ne. Va pas te tricher. Non. Ça profite toujours. Ça profite toujours. Non, où est la condition? Toi, homme. Si tu le fais dans les bonnes conditions. Mais quoi, ni sobe, et vous n'y êtes sous kababa, vani badia. Oyebe, tabernacle, serviteur. Même Jésus, on l'a vu la dernière fois, quand il est venu sur la terre,
Il était nommé tabernacle serviteur. Eh bien, mais va pas servir. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi. Bon, il y a servi. Mais plutôt pour servir. Oh, on y a le djidjo, mais kaka pa. Et il l'a fait dans la joie jusqu'à la fin. Et les voies que nous sommes en train d'étudier, c'est sur ces voies qu'il a fait son service. Et tout démon qui nous a retenus, nous avons été complètement délivrés. Et nous voilà aujourd'hui dans la maison de Dieu. Parce que Jésus a fait un service. Et voici la question. Quel service a-t-il rendu? Un service d'amour. Regarde comment il a fait le sacrifice pour toi. C'est son amour qu'il était en train de démontrer. Tout ce qui nous retenait a dit « Allez ». Voici le premier tableau. Fais le service sur ses voies. Merci Seigneur. Voici le premier tableau. Corneille. Le acte 10. Dans acte chapitre 10. C'est ça, souvent. Cléso verset 1, va verset 4. On va le lire du premier au quatrième verset. On va suivre, nous n'y aurons pas la confirmation, on veut venir. Acte 10, versets 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Et priait Dieu continuellement. 4. Qu'est-ce que tu as remarqué? Vous ne suivez pas. Ce Corneille était sur les voies de l'Alliance. Tous les quatre qui ont été lus sont les voies de l'Alliance. Pratiquer la piété, Mauvovo, la crainte de Dieu, Bedodora, la prière, Blenunana, et l'aumône, allo, vosasa, ou sacrifice. Oh, Jésus restaure. Corneille. Voilà Corneille. À cause de ces quatre choses, Corneille rendait déjà service. Vers la 9e heure du jour, n'oublie pas, c'est un païen. Ce n'est pas un Israélite. Il vient d'Italie. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit,
Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Wow. Clé. Et il s'en est souvenu. Wow. Wow. Tes prières, tes aumônes, tes sacrifices sont montés vers Dieu. Qui va te le dire? Si je touche quelqu'un, dis-lui, ça monte. Ils sont allés où? Vers Dieu. Et Dieu s'est souvenu de toi. Quand il a vu ce que tu fais, voici, en ce jour, il s'est souvenu de toi. C'est comme un François l'homme. Et il m'envoie vers toi. Pour que tu envoies un émissaire à l'homme appelé Pierre. Il va venir dans ta maison. Et un envoyé, un missionnaire a été envoyé à Pierre. Et Pierre est venu avec quelques juifs. Il a dit le verset 44 à 47. Versets 44 à 47. Quand Pierre prononçait encore ces mots, et quand Pierre est venu, il leur prêchait la parole en train de leur expliquer. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils n'ont pas encore prié. Le Saint-Esprit même était trop pressé. Pierre, ton message est trop long. Et tu savais à quel point j'ai envie d'entrer dans le tabernacle des païens. Tu vas le prêcher toute la Bible. Et je m'empresse. Et il est rentré en eux. C'est déversé en ces hommes. Hein? Baptême du Saint-Esprit. Savez-vous ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit? Alléluia. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Frank Via. Amen. Yo. Frank. Yo. Dada ore. Mba. Chou. A global baya memawa. Vole va autrement. Semaine passée, elle va 3 jours sur 3. Sans escale. Le Saint-Esprit sans escale. Et chose miraculeuse, c'est la première fois que la promesse du Saint-Esprit aux païens s'accomplit. Hein? Faire des dons. Et le Saint-Esprit va entrer en l'homme. Les gens font 40 jours de jeûne, mais ils ne reçoivent pas le baptême. Parce qu'ils font le jeûne dans la colère. Mais Corneille faisait son aumône dans la joie. Il priait dans la joie. Il a reçu le Saint-Esprit. Come on. Sais-tu ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit? Nous ne le connaissons pas. Non. Être baptisé du Saint-Esprit? Bon, quoi,
Ça veut dire qu'on ne va plus te voir, mais c'est le Saint-Esprit qu'on va voir. Et la Pentecôte dit. On verra ça à la Pentecôte. Deva. Gilles Drou, vous y avez Kavana. Oh, mais bon. Allô, vous comprenez ma quoi? Tout le monde quoi? Deva. Troué. Kokoeji. Supposons que c'est le Saint-Esprit. Regarde-moi bien. Récompense que Vana et Cornelius a gomenye. La récompense qui est venue à Corneille, c'est que ils ont été baptisés dans l'Esprit. Quand j'ai mis ma main dans le tambour, est-ce que tu le vois encore? Ma main est dedans. Que vois-tu? Hein? Le tambour. Si on te plonge, on t'immerge dans le Saint-Esprit, alors qu'est-ce que tu vas voir? C'est le Saint-Esprit qu'on verra. Yes. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, mais tu n'auras pas encore le baptême du Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais tu ne seras pas encore baptisé du Saint-Esprit. Même ce baptême du Saint-Esprit, gomolo. Nous n'avons pas compris le baptême du Saint-Esprit. Mais si on te baptise, tu en seras rempli également. Autrement dit, tes actions ne seront plus de toi-même, mais proviendront du Saint-Esprit. C'est ce que Corneille a reçu. Un officier supérieur baptisé dans le Saint-Esprit, il est différent. Voici ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Pas juste de overflow. Pas qu'il en était seulement rempli. Maintenant, toutes les actions de Corneille contrôlées par le Saint-Esprit. Étaient contrôlées par le Saint-Esprit. Attention. Combien peut-on donner pour l'avoir? Il faut qu'on nous l'explique bien. Et ce sont des choses qui me deviennent claires. C'est pourquoi je suis. Tu ne peux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit et vivre certaines vies encore. Ce n'est pas possible. Jamais. Il t'en délivrera automatiquement. Ta sagesse n'est plus tienne. Tu vas utiliser la sagesse de l'esprit. Tu ne vas pas utiliser ta propre force, mais plutôt celle de l'esprit. D'amen, wow, de carré dans ma terre. De façon. Je ne peux pas amener le Saint-Esprit au marché et retourner avec endettement. Il connaît tous les clients du monde. Tu ne peux pas terminer tes études avec le Saint-Esprit et être parmi les chômeurs. Qu'un étudiant dise Amen pour qu'il reçoive. Au
Tu ne peux pas te marier avec le Saint-Esprit. Ça dit dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. On vous fasse toutes choses correctement. Même s'il n'y a pas d'utérus, bébé miracle là-bas. Un bébé miracle viendra. Amen. 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 Pour qu'on te le fasse. Illimité. Les enfants de Dieu sont illimités. Avec le Saint-Esprit. Quand le baptême de l'Esprit vient, quand tu prends l'alcool, il va te dire, tu n'en as plus besoin. Si tu bois par force, tu vas vomir. Si tu fumes le jour là, tu vas bien vomir. Toi-même ne t'efforce pas. Les efforts humains, ça va faire 2 mois, mais tu vas encore chuter. Le Saint-Esprit va être en toi, tu vas consommer la drogue. Comment et pourquoi? Comment? Je n'arrive pas à comprendre. C'est parce que nous ne l'avons pas encore reçu. Ce n'est pas de l'amusement. Elle a pompé Christ au bel de la menon. Va pomper en toi l'amour de Christ à un point où tes yeux ne seront plus clairs. Les larmes ne finiront jamais dans tes yeux. Jamais. Jamais. Manquer de recevoir le Saint-Esprit, mais agir comme si tu l'avais reçu. C'est la chose la plus dangereuse qui soit. Malheur à toute maladie qui va se pointer. C'est avec ceci que Jésus a commencé son église, donc il était serein parce qu'il savait qu'il avait déjà tout fait. D'où est-ce que la pauvreté vient? Être chrétien sans être baptisé. On jeûne, on prie, on fait le veillée pour avoir de l'argent. Mais l'argent ne viendra pas. Parce que ceux du monde le recherchent avec des esprits, des démons. Notre problème, c'est que nous n'avons pas reçu du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Nous l'avons reçu à un niveau. Mais ce que Corneille a reçu, nous ne l'avons pas. C'est pourquoi nous souffrons. Regarde. On doit voir au moins quelques-uns de ses dons. On va voir ses fruits également. Il va te montrer des choses, te révéler des choses. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit? Et le monde fait la pagaille. Tension de... Tension. Faut qu'on le renouvelle. Pourquoi quand on lance les programmes, les gens ne s'en inquiètent pas? Parce que le Saint-Esprit ne te contrôle pas. Et c'est triste. Regarde Corneille. Comment est-ce que nous avons su qu'ils ont reçu le baptême? Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car il les attendait parler en langue
et glorifiait Dieu. Malheureusement, mais aujourd'hui, malheureusement, on a mis un tableau pour qu'on dise brr. D'abord dire brr, ça fait brr. Brr, brr. Dis le brr. Elle brr. Ça fait brr. I. Vous dites i. Brr i. Brr i. Elle va bri. Ça fait bri. Comédie. On finit son destin now. On t'a fini. On a hypothéqué ton destin. Si le Saint-Esprit te possède vraiment et que tu entres en lui, tu vas parler en langue. Des fois, tes vêtements chauffent et tu vas les enlever. Et peu de temps après, tu vas ressentir comme s'il y a des gouttes qui tombent. Toi, tu es dans la chambre, il ne pleut pas. Celui qui dit Amen, ça va lui arriver. C'est la Bible, nous avons appris dans la Bible que notre Dieu est un feu. Maintenant, je ne le lis plus que le dans tabernacle, la Bible, mais je le ressens dans mon tabernacle. Yeah. Et cela me brûle ici, je crie. Et quand nous avons reçu le thème du tabernacle en 2020, que ça a commencé. Aujourd'hui même, ça brûle. Voilà le cas de Corneille. Merci. Assidu. L'homme était assidu sur les voies de l'Alliance. Cornelio, militaire, fut le tout premier païen à l'expérimenter. Comme l'Alliance nous a promis, Corneille l'a expérimenté en premier, le tout premier païen. Le dernier tableau, Ayez. C'est le tableau Zachée. Lui 19. Dans Luc 19. Wow. Zachée au banu Georgina. J'ai beaucoup aimé Zachée. Parce que il a sonné. Parce que lui aussi a marché sur les voies de l'Alliance. Je vais te voler 5 minutes pour qu'on le voie également. Merci pour ton attente. C'est de bonne guerre. Sauf verset 1, va verset 10. Du premier au dixième verset. Ouais? Luc 19, verset 1 à 10. Jésus étant arrivé dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, chef des impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Yeah. Si ce n'est pas chef douanier, ce serait chef impôt. Chef hôtel, riche. Cherchait à voir qui était Jésus. Malgré la dimension, malgré qu'il avait cette dimension sociale, il avait un but. J'ai tout vu déjà, mais je n'ai pas encore vu le plus important qui est Christ. On dit qu'il cherchait à voir qui était-il vraiment. Merveilleux. Fais-le comme ça et tu vois. Mais ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule
Et il avait un autre problème car également. Il était de petite taille. Amezatire obobi ebile nulolo me Zaho muyi jiglaja ovoa. Zaché était court de taille, mais en rentrant à la maison, il rentre bien. Zaché rentrait à la maison lourd. Bien lourd. Mais il n'avait pas Jésus. Il courut en avant. Il a tout fait pour pouvoir passer par la foule, mais en vain. Et il a bien observé. Où est-ce que le maître va passer? Il va passer par cette voie. Et il a couru. Mais vous savez comment les personnes courtes courent. Il a couru. Et il a couru en avant. A dépassé la foule sur la voie. Il avait vu un sycomore. Sûrement le Seigneur va passer par ici. Et il a couru comme ça. Sans se fatiguer. Et dit, mais... Et quand il est arrivé au sycomore, il s'est dit, vous tous qui êtes de taille élancée, vous n'êtes pas plus élancé que cet arbre. Lorsque tu as le temps pour le Seigneur, il t'accorde les idées pour la sortie. On lui a dit, grimpe sur l'arbre. Je suis sûr que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Et il a grimpé sur le sycomore. La nature parfois dispose bien les choses. Il a vu une branche. Et il s'est couché sur la branche. Et a envoyé sa tête. Et la foule arrivait avec le Seigneur. Lorsqu'il vit Jésus arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zaché, hâte-toi de descendre. Quand le Seigneur est arrivé sous le sycomore, ce n'est pas Zaché qui a dit, oh Seigneur, viens souper avec moi. Le Seigneur savait. Il connaissait la soif de Zaché. Il connaissait le point où il désirait Jésus. Les gens suivaient Jésus sans cette soif. Mais Zaché avait son cas différent. Et le Seigneur a freiné sous le sycomore, a levé les yeux vers lui. Et j'aimerais te souffler à l'oreille. Mon Seigneur te connaît. Jésus problème, tu connais ton problème aussi. Il sait ce que tu recherches. Yes. Mais Jésus, là, je dis qu'il te connaît. Elle a répondre aux il va répondre. Mais il ne te laissera pas partir les mains vides. Il a appelé par son nom. Yes. Zaché. Dikaba. Descends vite. Dis à quelqu'un, fais-le vite. Car aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Il faut que je vienne demeurer dans ton tabernacle. Diva, chogotila mesaheo, diva,
Chogbotilame. Ah, diva. Chogbotilame. Ah, diva. Chogbotilame. Ce jour est un jour pour quelqu'un. Amen. Voici le jour de quelqu'un. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Quelle est cette voix? La première voix de l'alliance. Il a reçu avec joie. Imaginez un grand quelqu'un au service, un riche dans sa ville, bien connu des gens. Et de vie qu'on a dans le tel domaine, au le toi. Et ses subordonnés sont dans le pays. Mais avec Jésus, il fait quoi? Il court. Et non, après si avoir monté un sycomore. Et au Dachi maintenant. Il a reçu Jésus à la maison. Et jusqu'à maintenant, le Seigneur n'a plus rien dit. Terminé. Voyant cela, tous murmuraient et disaient. Il a logé chez un homme pécheur. Pourquoi considères-tu les murmures des hommes? Ce sont ceux qui brisent les pierres, les tables. C'est des briseurs de tables. Don't mind them. Ne les regarde pas. Ah, wow. Il y a beaucoup de briseurs de tables de pierres maintenant. Dans les Donc ne laisse pas pour toi et ils vont briser. Ils sont nombreux maintenant. Et ils ont plusieurs moyens de le faire. Dis à quelqu'un, je ne vais plus laisser mes tables. Ils ne vont plus briser mes tables. Frère, et toi, tu veux qu'on te les brise? Est-ce que tu veux qu'on te les brise? Il a dit que oui. On ne va pas briser pour moi. Recevoir ces tables a été difficile. C'était l'amour qu'il cherchait comme ça. Non. C'est l'amour que Moïse cherchait en jeûnant 40 jours, 40 nuits sur le sommet de la montagne. Et par cela, Dieu nous enseigne que le sujet de l'amour est très, très important pour lui. Parce que quand tu vois sur sa route, sur ces tables de pierre, il n'y a que deux lois. Première loi, aime Dieu. Deuxième, aime ton prochain. C'est tout. Donc, c'est seulement l'amour qui animait Dieu concernant Moïse. Pourquoi a-t-on demandé qu'il jeûne? Pour qu'on sache que le sujet de l'amour est très cher et très important. Deuxièmement, tu dois payer le prix. Troisièmement, tu ne peux pas demander l'amour simplement pour le recevoir. Non. C'est pourquoi on lui a permis de souffrir du jeûne d'abord. Et la deuxième fois, il ne l'a plus brisé. Il a pris soin de ça. Ni accusé na mosebe, obene maraso du kanti ne ya onbu. L'amour que Moïse a découvert concernant l'homme, c'est ce qui l'a animé jusqu'à sa mort. N'est-ce pas toi-même qui m'a dit d'aimer mon prochain comme je m'aime? Peut-être c'est un test. Si je me sépare d'eux, est-ce que j'ai pratiqué l'amour? Oui. Et c'est ce même peuple qui l'a tué. Parce que la colère est revenue. Les briseurs de table. Ainsi, Zachée était dans la maison. Je termine. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il avait logé chez un homme pécheur.
Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Moulega confié et gagné. Bien yo pata, ben moitié now. Na so œuvre charitable now. Nemi kwa me hada wa. Seigneur, je vais te confier la moitié de mes biens. La moitié. Pour que tu en fasses une œuvre caritative pour moi. Mais là, noir, ma. Qui fait cela? C'est Zaché, ça. Zaché. Zaché, là, sacrifice. Zaché qui fait ce sacrifice. Amiga, bon, le Seigneur, c'est tu. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Si je lui ai volé 1000 francs, je vais lui retourner 4000. Parce que tu sais ce que font les gens de l'impôt. Et ce qu'il est en train de faire là, on appelle cela restitution. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Vois-tu où on parle de salut? Avant que le sacrifice de Jésus ne profite à Zachée, il a vu la révélation que voici celui qui nous a aimés. Personne ne nous a aimés comme lui. Voici le Messie. Deux. Il a pratiqué l'amour. Non, trois. La joie. Sacrifice. Trois, le sacrifice. Aumône. L'aumône. Don. Et don. Et tu es plus le cas. Il a ajouté en même temps. Bon que tout ce manera. Voyez-vous ce qui l'a obtenu comme profit. Sa vie est sortie de l'enfer automatiquement. Ce qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Wow. Zachéo. Zaché. Zoame Bukura. Devient un autre homme, une nouvelle personne. Regarde ce que le Seigneur dit. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. C'est un fils. Gagne fou. La pratique de l'amour de Christ. Aucune partie de l'enfer ne peut plus désirer Zachée. C'est plus possible. Ça va. Est le plus normal. Parce que Christ l'a tombé, m'a attaqué. Ce n'est pas parce que Christ t'a autant aimé que tu ne seras pas attaqué. Je termine mon message. Jagbagba n'a pas le que efforce-toi de voir que
de considérer à quel point il t'a aimé pour ne pas te tricher toi-même. Si tu vois combien Christ t'a aimé, tu vas dormir dans l'église. Hey! L'amour qu'il a pour nous, ça fait pleurer. Tu vas pleurer. Et c'est ce que les gens sont en train de découvrir comme ça. Yes. Bruwangba dire message à moi. Popo, hein. Ne pas la cabelloa. Si tu vois combien il t'a aimé, ton service ne peut plus être comme avant. Tout ne peut plus t'amener non. En train de dérailler. Ah, oh. Non. On l'a dit, tu dois le désirer ardemment qu'il te donne aussi l'amour pour que tu l'aimes. La seule voie par laquelle tu peux le recevoir, le jeûne. C'est pourquoi nous avons vu Moïse a fait 40 jours. Mais si nous, nous n'avons pas cette grâce pour faire 40 jours, Dieu nous a décrété 19 semaines. Et dans chaque et semaine, les Kwasida, Sia Kwasida, mais 3 jours. Quelques temps. Et ce qui se produit est déjà très effrayant. It is about the law of Christ. Et Hosanna 2024 est concernant l'amour de Christ. Yes. Fiebelia, otel sona Hosanna va se y a fine. Yeah. Premier dimanche. Le même en mai. Je demande pour toi tout le bien du mois. Mais ne te triche pas dans les semaines. Cours et entre dans le train. Prends la disposition. Chaque semaine, trois jours. Moïse a payé le prix. Et la gloire a jailli. Il a nagé dans la gloire Shekinah. Quand les pierres elles viennent avec la gloire. Quand l'amour de Christ vient, vient avec la gloire de Dieu. Je te bénis ce matin. Que la main de Dieu soit sur toi. Et que le dessein de l'Éternel s'accomplisse pour toi. Dis un grand Amen. Dis à ton frère. Fais tout pour savoir comment il t'aime. Ne la trompe. Regarde combien il t'aime. Parce qu'il y a une alliance d'amour entre vous deux. Dis à quelqu'un, protège tes pierres. Si tu vois le niveau où il t'a aimé, tu ne peux pas retourner sans témoignage. Pas possible. Table de quoi? Témoignage. Parce que
Church azu. Église faible. Le yo. Et n'y a so fofo me ke ma outok boblon ami. Va mi mette le gade me. Parce que mi me di heli heli yo. Pomona wakbe. Bela flo le gloire amen. J'espère voir ta vie couler dans la gloire. On va remarquer que on va laisser ça. Ils vont remarquer que tu n'es plus comme avant. Le Saint-Esprit va te conduire en mai sur ses voies. Il va te conduire dans ce mois sur les voies de l'Alliance. Si tu es de toi que je parle, alors dis bien Amen. Acclame le fort. Merci. Mikpa.